Salut à tous. J'ai remarqué il y a pas longtemps que j'avais des ragondins chez moi. Donc là, j'ai pu les filmer alors qu'il y avait aussi un héron sur l'étang. Et puis j'ai pu les filmer de plus près où on les voit en train de grignoter de l'herbe. Alors j'ai entendu dire que les ragondins détruisent leur environnement, un peu comme les humains. Et donc je me suis un peu renseigné sur cette espèce. Le ragondin est une espèce originaire d'Amérique du Sud, introduite en Europe pour sa fourrure au 19e siècle. Il est herbivore comme le lapin et creuse un terrier de 7 mètres de long dans les berges, avec plusieurs entrées dont une sous l'eau. La femelle peut avoir 2 à 3 portées par an, de 5 à 7 petits en moyenne. Elle les allaite pendant 7 semaines par des tétines qui sont placées sur les flancs, ce qui lui permet de nager avec ses petits accrochés aux tétines. Le ragondin communique avec les siens en se reniflant le museau. Il peut aussi être radin lorsqu'il s'agit de nourriture. Le ragondin, presque un humain. Une espèce classée nuisible par l'Office national de la chasse. Oh, regarde le petit comme il est chou. Bon, j'espère donc que les ragondins vont s'en aller quand ils vont remarquer que le niveau de l'eau de l'étang n'est pas très stable, puisque ils veulent une entrée sous l'eau. Or, cet étang a tendance à s'assécher en été. Allez, j'espère que cette petite excursion vous a plu et je vous dis à la prochaine.